Monsieur le ministre, la parole est maintenant à Madame Valérie Lacroute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le nouveau monde connaît-il les enjeux de l'économie numérique ? La question se pose. Alors que l'on nous a vanté le renouvellement et le rajeunissement de cette Assemblée, on se demande pourquoi le gouvernement tarde à régler la question du statut des chauffeurs privés dits VTC. La loi Grand-Guillaume de décembre 2016 a mis fin au statut LOTI et oblige ainsi les 12 000 chauffeurs à se tourner vers le statut de VTC avant le 31 décembre 2017. Or, pour obtenir le sésame de VTC, les épreuves théoriques n'ont commencé qu'en mai dernier et la pratique en juillet. À ces mois perdus s'ajoute la complexité des questions posées lors de l'épreuve théorique. En voici deux exemples. Qui préside les commissions locales de T3P ? À quel moment doit intervenir la libération totale du capital dans une SARL ? Beaucoup d'entre nous seraient incapables d'y répondre. Le constat est sans appel. Un taux de réussite à l'épreuve théorique de 20% en Île-de-France quand il se situe à 80% à Londres. Un délai de réussite à l'examen de 26 semaines en France contre 12 à Londres. Face à cette situation, beaucoup de chauffeurs vont se retrouver au chômage au 1er janvier 2018. Monsieur le Premier ministre, alors que vous avez lancé les assises de la mobilité, alors que l'enjeu est de permettre à tous les Français de mieux se déplacer, il convient d'augmenter l'offre de transport à la demande et cela commence par une hausse du nombre de chauffeurs professionnels de taxis VTC dont dans le Grand Paris, il est seulement de 5,6 pour 1000 habitants contre 17 à Londres. Il est donc urgent, Monsieur le Premier ministre, d'intervenir pour pérenniser ces 12 000 emplois, souvent détenus par des jeunes issus des quartiers les plus défavorisés. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Lacroute. À la suite, effectivement, des différends qui ne nous ont pas échappé, qui ont opposé régulièrement les taxis et les VTC au cours des dernières années, l'équilibre entre les professions a été, je le crois, trouvé avec la loi Grand-Guillaume que vous avez évoquée fin 2016. L'identification des véhicules VTC et la nouvelle carte professionnelle sécurisée contribuent à cette nécessité de régulation dans le secteur afin de faire respecter une concurrence loyale entre les acteurs. La fin du régime LOTI dans les zones urbaines au 29 décembre de cette année est également une avancée importante pour trouver un équilibre entre les professions en précisant bien ce qui relève du transport collectif et du transport individuel. La situation va être en effet ainsi clarifiée. Il sera désormais uniquement possible pour les conducteurs d'exercer comme taxi ou comme VTC. Pour poursuivre leurs activités, les lotis doivent ainsi basculer dans le cadre du transport public particulier de personnes. Pour mettre en œuvre cette évolution, le ministère des Transports et les préfectures d'Île-de-France sont mobilisés pour traiter les dossiers des chauffeurs. Je vous ai entendu. Afin de tenir compte des délais, des mesures adaptées sont prises afin qu'à la date du 29 décembre ne soit pas un coup près pour ceux qui sont les conditions réglementaires. Ceux-ci doivent toutefois impérativement avoir engagé les démarches nécessaires d'ici la fin de l'année. Pour répondre à votre question, Elisabeth Borne recevra l'ensemble des professionnels d'ici le 8 décembre prochain, avec lequel, évidemment, nous essaierons de trouver les solutions à votre question. Merci.